Voilà, t'entends bien. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon. Moi, j'ai toujours dit, j'ai dit, moi, je me suis confié à Dieu. Un beau jour, Dieu va me montrer la vérité. C'est quoi, Abel? Il y a quoi, comment? On dit que tu es devenu fou. Qui est devenu? On dit que tu es fou maintenant. Quand tu me regardes, c'est fou. Tu portes habit des militaires. Mais est-ce que tu es militaire, Abulo? Faut te soigner. Ça, c'est pas toi ton problème. C'est pas ton problème. Si tu vois que Dieu, je suis content aujourd'hui là. Hein? La porte d'année, tout le monde est en train de me parler mal. La porte est où? La porte d'année, je t'ai vu net. La porte de où? Faut pas te foutre de moi. Hein? Te fous de moi comment? Faut pas te foutre de moi. J'ai dit au blanc, j'ai dit le blanc. J'ai vu vieux Brahma. Le blanc dit c'est faux. En même temps, je t'ai vu partir. J'ai dit voilà lui, voilà lui. Le blanc dit c'est faux. J'ai donc aujourd'hui, je t'ai vu, Dieu merci. Tu es vu où? Attends ta voix. Non, tu es vu où? Je t'ai vu. Comment j'ai vu où? Tu t'es vu où? Moi, je t'ai vu. C'est ça que j'ai dit. Je t'ai vu où? D'accord. Je t'ai vu où? Ah, tu crois que moi, je suis pas intelligent. C'est quoi ça? Attends, en prends photo pour que je montre à tout le monde que je t'ai vu. Attends. Que je t'ai vu? Ouais. Tu veux montrer que je t'ai vu comment? Si tu veux, faut parler comme tu veux. Moi, je t'ai vu. Il t'a vu là, ça veut dire quoi? Téléphone là aussi, à quel problème? Je t'ai vu. Voilà, ça tombe bien. Ouais, là, tout le monde va savoir que moi, je t'ai vu. Wow. C'est fini. C'est ça que tu veux? Ouais. Donc, tu vois, nous, n'est pas facile. Même tellement qu'on est tellement difficile, minutel, il est tellement difficile là. Et souvent même manger qui est qui, on ne mange pas. Manger qui n'est pas qui, c'est ça on mange. Autorité, je pense qu'on ne se comprend pas. Mais c'est, tu l'aimes ces mots-là, nous on n'a pas autorité. Non, ça veut dire que vous qui êtes les agents de la sécurité, je pense qu'on ne s'est pas compris. Il y a une crise matrimoniale. On dit une crise. Non, on dit une crise. C'est lui qui comprend français. Moi, je dis une crise. Le monsieur va parler. Moi, je dis une crise. Il y a une crise matrimoniale entre vieux Brahma et ses deux femmes. Et j'ai été mandaté par ces deux femmes pour pouvoir gérer cette crise matrimoniale. Je suis venu vous voir que j'ai besoin de votre service pour sécuriser cette facilitation. Et vous avez accepté. Donc, je vous ai remis quelques jeunes. Donc, il est de votre droit normal et bémalistique de m'accompagner, de pouvoir aller sur le terrain pour pouvoir faire la facilitation. Monsieur, oui. Moi je te demande pardon. Au moins, tout ce que tu viens de dire, si tu peux répéter ça en français, on peut voir comment on peut faire ça pour toi. Si tu veux ou tu ne veux pas, aujourd'hui là, tout le monde va savoir qui est ici. Mais toi là, c'est malhonnêteté que tu es dedans là. Si tu n'as pas arrêté, un bon jour, tu vas prendre. Faut qu'il t'aille à côté de moi. Moi. Eh, hey, vraiment la folie n'est pas bon. Tu es en train de devenir fou comme ça. Moi je suis devenu fou. Tu es en train de devenir fou, tu n'es pas assez. Et regarde, tu es porté à billet de compte d'ambié. C'est habit de compte d'ambié qui est là. Ça, c'est toi qui es devenu fou. Tu es devenu fou. Et regardez ici. Et regarde comment il avance. C'est pas son problème. Et alors. Viens prendre l'argent. Viens prendre l'argent. Quel argent? Bien. Quand tu crois que moi je suis pas intelligent, viens prendre l'argent toi. Quand tu as l'argent pour moi me donner, où tu es là, quand tu as l'argent. Et là, moi, il me dit, viens prendre l'argent. Il te donne un euro. Faut dire que c'est les beaux des beaux qui te donnent ça. Tiens. Tu crois que quoi? Moi, tu vas me blaguer. Tu vois, il dit que Abou le Diassa, il est devenu fou. Il connaît plus l'argent. Tu crois que quoi? Ça là, c'est pour moi, tu avais pris. Et faut manger, bon manger avec elle. Faut pas aller faire ourka. Ça là, c'est héros qui est là. Faut dire à tout le monde que le beau des beaux travaille maintenant. Tant qu'à dire. Monsieur, ce que tu veux là, je ne peux pas le faire aujourd'hui, ni demain. Parce que si c'est 5000 francs que tu comptes là, il y a déjà pour faire. Non. Ça là, c'est pour vous. Mais seulement, il faut faire le travail des 5000 que je vous ai remis. Quand le gars voulait me frapper là, s'il m'avait touché là, tu ne sais pas que c'est un problème taillé. Mon chef, si la parole est pas privée, on va aller à la prière. La parole est toujours. Toi, qui prière? Mais il est dit à aller parler. Non, là, pour faire secrétaire, tu ne mets pas de prière. Pour être militaire, c'est une religion. Tu es malade. Je pense que vous allez vous occuper de moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, ce que tu vas faire, il faut voir. Après, on va se voir. Après, vous allez venir? Oui, on va se voir. Mais pardonnez, de grâce, quand je vais vous appeler, décrochez votre téléphone.
il ne faut pas le citer. Il n'est qu'à dégager pour aller où? Non, j'ai dit de grâce. C'est une manière de le supplier. À quoi la souffle? Donc, on a compris. Il dit il va te supprimer. D'accord, donc je vais, quand je vais vous appeler, il faut me décrocher, ça compris? Il a compris. Merci beaucoup. Et c'est que ton cœur est chaud. À cause de ça, tu as demandé des glaces. Bon, je viens envoyer. C'est fou. Hein? C'est fou. Il est dans quel pays même? C'est franc ou franc? Mais c'est moi, il regarde France 24 français qu'on parle là-bas. Là. Et puis c'est que lui parle là, c'est pas même hey, français. Attends, hein, commandant. Tout ce qu'il a parlé là, je n'entends rien de moi. Est-ce que toi, tu as bien pu ceci? Oh, toi, tu es quitté en Niklin, c'est pas français, on parle là-bas. Falungora, toi, tu es dans la Magaïwa. Vous n'étiez pas là, c'est moi qui étais là. Parce que je comprends même pas. Donc, je sais ce de quoi il parle. Alors, je pense bien que ce soit lui. Oui, effectivement, ça doit être lui. Bonjour, salut, monsieur. Oui, salut. Vous allez bien? Oui, très bien. D'accord. Permettez de m'asseoir. Oui, assez-vous. Oh. Voilà. Une fois encore, soyez salués. Moi, je suis Leblanc. Je suis l'autorité intellectuelle. J'ai appris que vous êtes venu ici. Et c'est vieux vraiment qui vous a fait venir ici. Oui, exactement. Voilà. Tout à fait. Déjà, il faudra qu'on se présente, comme je vous l'ai dit. Je suis Leblanc. Et vous, votre nom? Avec plaisir. Mon nom, mon vrai nom, Hani Naïf. Hani Naïf. Oui. Attends que je note. Mon nom d'artiste, Kirin Kirin. Attends, on va. Tu dis? Hani Naïf. Naïf. Mon vrai nom. Naïf. Ouais. Voilà. Ok. Hani Naïf. Ouais. Parce que tu vois, vous voyez, les gens parlent, les gens disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. On m'a dit non, qu'il y a un Français qui est arrivé, il y a un Blanc qui est arrivé, et qu'il est venu, il veut prendre ta place. C'est lui le vrai Blanc, et qui s'appelle. Bon, ils n'ont pas dit de nom. Heureusement que je suis arrivé, vous me dites que vous appelez Hani Naïf. Ouais, ouais. Donc, je suis dans ma position, ce que j'ai dit, je pense que j'ai raison. Parce que si vous étiez un Français, on allait dire Jean-Pierre Le Ciel, Robert Le Beuf, ou bien Marc La Voisine. Mais oh, c'est pas François, ça. François, peut-être que je vais te dire François. Voilà, bien sûr, c'est ça. Ouais. On se comprend bien. Ouais. Et donc, vous n'êtes pas Français. Vous n'êtes pas Français. Vous êtes de quelle nationalité? Moi, mon nationalité est jordanienne. Ah, vous êtes jordanien? Jordanien, oui. Enchanté. Jordan. Enchanté. 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 Ça me fait plaisir. Moi aussi. Oui. Et donc, vous êtes venu comme ça, pour les services de Vieux Brahima? Oui, la vieille Brahima, maintenant, oui, il a me confié un travail. D'accord. Il veut me confier son affaire, son entreprise, son travail. Ah, vous devez gérer son entreprise. Oui, c'est ça. Bon, tu sais, moi, je suis de la... C'est-à-dire, comme on veut travailler ensemble. D'accord. On veut collaborer, travailler ensemble. Ah, une collaboration. Collaboration, voilà. Ce que j'ai à vous dire, parce qu'il y a des moments qu'on ne doit pas tourmenter la mémoire de la réserve. Vieux Brahima, je le connais. Moi, je suis de la vieille école. Je maîtrise Vieux Brahima d'Adam et de Ève. Ce que je vais vous dire est très important. Pour travailler à Vieux Brahima, vous devez faire très attention. Parce que Vieux Brahima est difficile à attraper. Il est difficile à cerner. Donc, il faudrait que vous lui dites que s'il veut que vous travaillez pour lui, qu'il faut faire un contrat. Votre collaboration, le lien de votre collaboration, il doit avoir un contrat bien écrit. Parce que la parole s'en va, mais les écrits restent. Ouais, tu as raison, tu as raison. Et même aussi pour faire, pour élaborer ce contrat, il faut exiger ma présence. Il faut exiger que moi, je sois là. Ouais, c'est comme un témoin, quoi. Tout à fait. Ouais. Non, vous comprenez bien. Ouais. C'est, j'ai dit, les Jordaniens sont vraiment intelligents aussi. Hein, merci, tu as raison. Voilà. Je vous remercie. Faut pas accepter de travailler pour vivre vraiment comme ça à la va t'asseoir. Il faut un contrat bien écrit. Il faut un contrat bien écrit. Et pour que le contrat soit bien, surtout, il faut ma présence. Donc, on veut bien écrire le contrat à ton témoin. Et puis on veut égaliser à la mairie. Bien sûr. L'autorité. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça. Donc, il faut que vous exigez que s'il y a on doit faire un contrat, et le contrat, il faut que le Blanc soit présent.
Ouais. Parce que vibrament, ce n'est pas une personne apotropaïque. Mais FM, c'est vous avant de travailler avec lui, je ne te connais pas avant. Non, c'est ça. La première rencontre. Justement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je suis de la vieille école. J'ai travaillé avec vibrament. Mmh. J'ai travaillé avec vibrament. Vibrament, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé avec lui et il les a dupés, il les a trompés. Pour ne pas que toi, tu sois une victime, il faut que toi aussi, tu n'acceptes pas de travailler de façon fortuite. Il faut qu'il y ait un contrat. Or, moi, je le vois, lui, quelqu'un gentil. Oh, c'est l'apparence. Gentil. L'apparence est trompeuse, mon frère. L'habit ne fait pas le moine. L'apparence, ça te dirait quoi, l'apparence? Je dis l'apparence. Quand tu vois quelqu'un comme ça, ne pas croire, de toute façon, il est là. De toute façon, il fait là. Ne pas croire que c'est la vérité. Sans une apparence. La blague, ça veut dire comme blague, quoi. Voilà. Non, il veut dire quoi? Il veut dire que quand quelqu'un s'habille, c'est pas tout le monde qui est bien habillé qui ont l'argent. Hein. Il y a des gens qui portent habit, mais ils n'ont pas l'argent. Il y a des gens qui parlent bien, mais ils ne sont pas bien. C'est ça qu'on appelle l'apparence. En tout cas, moi, je ne sais pas, mais elle est gentille avec moi, elle comporte bien, moi, je ne vais pas dire autre chose. Oui, c'est le départ, c'est le début. Bah... Donc, il faut un contrat, tu as compris, non? Un contrat, hein? Ouais, d'accord, je compte sur vous. Hein. Tu as raison, c'est trop important. Voilà, c'est très merci important. Pour ton visite, merci pour ton conseil. Merci beaucoup. Ravi, tu veux boire quelque chose? Non, merci beaucoup. Tu sais, les intellectuels n'aiment pas trop boire. Merci beaucoup. Hein. Donc, à la prochaine. Au revoir, merci, à la prochaine. Merci beaucoup. On se rencontre. Merci beaucoup. On a deviné maintenant comme amis maintenant. Tout à fait. Tu sais, on se comprend, on garde le contact. Hein. Je te souhaite une soirée bagoutière. Merci beaucoup. D'accord, beaucoup. À toi aussi encore. Merci. Bon travail. Merci. Ah, c'est ça, c'est fini, mon travail, j'ai fait.